bénédiction à cause du message. Félix, Félix, qui devient le président à vie. La récompense d'un homme juste. Je crois, c'est ça le message. C'est ça le message. Le message est arrivé en Haïti. Ce n'est pas bien. Duvalier a connu beaucoup de tentations. David Duvalier. David Duvalier. Mais quand William Branham est arrivé là, et qu'il a prêché le même message que je vous prêche ce matin, les choses ont changé. Beaucoup d'entata par-ci par-là, vous trompez. Si Dieu a été avec David Duvalier, il sera avec le président Félix Tshisekedi. Et autant que nous m'écoutons, pendant ce temps, nous ne pouvons jamais prêcher sans parler du président Félix Tshisekedi. C'est la campagne qui vient de commencer. Je vous dis que c'est la campagne électorale qui commence. Tombe-ti. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous parlons à un certain moment. Toi, que l'impinier boit mal ou abîme ou m'aboule au bousim. Arimi kalabato que ça coudidi diati prophète. Nacha, vous m'en avez un peu de bini. Nous sommes beaucoup bien toi. Vous m'avez même quand je disais en début de cette année, disant que cette année c'est l'année des achats, je ne le disais pas comme ça pour rien. Parce que je sais que Dieu est avec notre président de la République. Même si le meilleur artiste international, l'homme qui a mis de l'eau dans les points, toujours. Soyez les bienvenus ici au loin là-bas, Difikadilena. Soyez les bienvenus, Kokoma et l'amour. Souverain Binadama, tu resteras toujours gravé dans le cœur pour toujours. J'ai dit et je vous remercie. Bienvenue. Où sont les hommes congolais en fait? Notre pays se meurt. Ce qui se passe dans notre pays est catastrophique. Kagame nous agresse et nous menace en même temps en fait. Où sont les hommes congolais s'il vous plaît? J'en veux tellement à ces hommes en fait. Jusqu'à quand ça va s'arrêter cette situation? Jusqu'à quand vous allez laisser Kagame tuer, massacrer, violer nos mamans? Où sont les hommes congolais? J'en ai marre, j'en peux plus franchement. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que les vrais hommes s'élèvent contre cette agression de Paul Kagame. Arrêtez d'attendre la communauté internationale. Arrêtez s'il vous plaît, il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on passe nous-mêmes à l'action. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Je vois de vidéos, j'arrive même pas à dormir deux fois quand je regarde ce genre de vidéos. Où sont les hommes congolais? Où sont les hommes congolais, mon Dieu? Je vais tellement en vouloir à ces hommes. Si Tshisekedi Félix brigue encore un deuxième mandat, vous n'êtes pas les hommes pour moi, vous n'aurez aucun respect. Mawaya Cléophas, un criminel urbain poursuivi par la clameur publique à Bandundu. Mawaya vient d'être rattrapé par les éléments de la police pour séquestration et esclavagisme sexuel, tel que le déclare le commandant du commissariat urbain de la police ville de Bandundu. Mwana Mawaya Azali, un civique kuluna des grands chemins. Oyazi, esclave sexuel, on n'a pas besoin d'aller. Une mineure d'âge. A kokende azui asalo alingi soki baboti balobi
alobi na koboma na kotumba ndako telema tokende akende nzela classe longwa zoba kaye telema tokende. Le monsieur a fait de cette pauvre fille une esclave sexuelle. Quartier Bayo qui passe, ba sengi concours à police, ba landi brigand wana ba bi trop c'est trop. Apesa mwana chance ya kozala pe mutu lobi. Population na police ba landi a kimia a kote na bamai partout ba kangie. L'objectif c'est que à libérer moi noazo pas venir. Système esclavagisme c'est cela. Et l'État congolais n'admet pas ça. Merci. Voilà ce qui est reproché à ces brigands. La police est là pour les faibles. Donc protéger. Azala utile les lolobi. Olé azala esclave ya bandi oyo. Fait du reste confirmé par le père de la victime ici présent. Une arrestation saluée par la population et en particulier par les écolières, collègues à la pauvre fillette. Dans cette vidéo sont des chiffres véritables et vérifiables. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années, comprenez ces chiffres. 33% des sols de la planète sont dégradés, inexploitables. 65% des terres arables sont en Afrique, les terres exploitables pouvant être utilisées pour l'agriculture. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 2% de terres exploitables pour nourrir tout le restant de la planète. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les Africains qui vivent à l'extérieur, commencez à économiser. C'est plus le moment de faire les assistances sociales africaines. Pensez à vous. Économisez pour venir investir en Afrique, pour venir vivre en Afrique. S'il vous plaît, incontestablement, l'Afrique sera numéro 1 dans les prochaines années. Et les temps vont devenir très très durs. Préparez-vous au retour, il sera imminent. Je ne vous dis pas de venir maintenant. Je ne vous dis pas de prendre le billet d'avion pour venir maintenant. Continuez à travailler, continuez à apprendre, continuez à acquérir des compétences. Je vous dis de commencer à vous préparer psychologiquement à ce qui va se passer dans les prochaines années. Je vous dis de commencer à utiliser vos ressources financières de manière stratégique, de sorte à orienter toutes vos pensées, tous vos futurs investissements vers l'Afrique. Je vous le dis, ma main, elle tremble. Les amis, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les chiffres sont là. 33% de terres dégradées, 65% de terres arables en Afrique. Faites la soustraction. Total, il reste que 2% de terres exploitables pour nourrir tout le reste de la planète. C'est pour cela que tous les yeux sont tournés vers l'Afrique. À nous, Africains, d'être stratégiques. À nous, Africains, d'être réfléchis. À nous, Africains, de prendre conscience de la valeur de notre territoire et de notre continent. Dès qu'il y a un problème, vous rentrez sereinement en Afrique avec des économies et de quoi investir sur vos terres et de quoi vivre correctement sur vos terres. Et que nous devons être stratégiques. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Soyons prêts, soyons soudés, soyons forts. Et nous n'allons pas louper cette vague de développement africain.